Bonsoir, Ali. Bonsoir, Adriane. Bonsoir, papa. Bonsoir, ma fille. Regardez qui voilà. Ma belle, mon éblouissante et ravissante belle-mère, Ali. Ali, je te présente mes amis et ceux d'Adriane. Tu auras le temps de tous les connaître. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Ali, que Dieu te bénisse. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Ali, que Dieu te bénisse. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Ali, que Dieu te bénisse. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Ali, que Dieu te bénisse. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Ali, que Dieu te bénisse. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Ali, que Dieu te bénisse. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Ali, que Dieu te bénisse. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Ali, que Dieu te bénisse. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Je suis vraiment touchée. Je ne m'attendais pas à un accueil si chaleureux. Vraiment, merci à vous tous. J'espère que je serai à la hauteur pour mériter tout cet accueil. Tu es une reine, Aline. Tu mérites cet accueil. Merci, Adriane. Comment te sens-tu après cet accueil, mon amour? Ah, très bien, mon amour. Je me sens aimée par tous ces gens qui ne me connaissent même pas. Adriane te l'a dit. T'es une vraie. Alors viens que je te serre dans mes bras. La princesse doit s'élever. Oh, Ali. Le petit déjeuner est servi. Merci, Ali. Tiens. Merci. Tu es vraiment très gentille. Depuis que tu es là, papa est si heureux. Et moi aussi, d'ailleurs. Tu sais,
Je suis contente que ma présence vous apporte du bonheur. Allez, mange maintenant. Bonjour ma reine. Comment as-tu passé la nuit? Très bien. Aujourd'hui, je vais juste chez Roméo et je reviens pour te faire ta mousse au chocolat que tu aimes tant. Oh. J'ai demandé à Betty de m'apprendre à le faire uniquement pour toi. Oh là là, tu es adorable ma petite. Viens dans mes bras. J'ai une surprise pour toi. Ton père et moi avons décidé d'acheter une nouvelle voiture. Mais pourquoi? Papa m'avait dit qu'il ne devait plus faire de dépenses inutiles. Question de pouvoir me payer la meilleure université du pays. Oh, t'en fais pas ma grande. Tu feras la meilleure université du pays. Bon, au revoir, Ali. À tout à l'heure. Salut mon ami, comment vas-tu? C'est pas la grande forme, Oscar. Qui a-t-il encore? Aline me fait peur. Elle m'a fait savoir aujourd'hui que mon père voulait acheter une nouvelle voiture. Pourtant, papa m'a dit qu'il ne devait plus faire de dépenses inutiles. Question de me payer la meilleure université du pays. Est-ce que c'est l'achat d'une nouvelle voiture qui lui a empêché ton père de te payer la meilleure université? Et si elle n'en voulait qu'à l'argent de mon père? Oh, mon Dieu! Elle qui est si attentionnée! Je suis troublée, Oscar. Que dois-je faire? Tu sais, je connais un ami de mon père qui est détective privé. On pourra le voir. Comme ça... il pourrait nous donner des informations sur elle. Je me sens honteuse. Elle est si attentionnée. Elle me prend comme sa propre fille. Si tu veux avoir le cœur net, il faut bien en savoir plus sur elle. Il ferme le samedi à 12h. Je pense que si on se dépêche, on pourra encore le trouver au bureau. D'accord, j'appelle Roméo. Et moi, Cléa. Bonjour, tonton Emile. Bonjour, Oscar. Bonsoir, monsieur. Bonjour, bonsoir. Monsieur. Merci. Alors, Oscar, que me vaut l'honneur de votre visite? Tonton Emile, je viens te voir car ma camarade a des soucis. Allô, Adrien. Comment tu t'appelles, ma fille? Je m'appelle Adrien Poumou.
Adrien. Alors Adrien, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je voudrais avoir des informations sur ma belle-mère. Ta belle-mère? Comment elle s'appelle, ta belle-mère? Aline Gounjou. Aline Gounjou. Dis-moi, Adrien, pourquoi tu voulais avoir des informations sur ta belle-mère? Parce que je doute de l'amour qu'elle porte pour mon père et pour moi. J'ai peur qu'elle n'en veuille qu'à son argent.